West Coast to the casket drop, East South block and I got that key. Straight gangster, I'm just trying to see who the fuck these hoes trying to be. In the hood it's understood, don't fuck around with Eazy-E. You cross him, it's mayhem. You owe him, just pay him. Anything else you asking for a nigga untimely passing. But it's all to the good, in hood brings the wood. Like we should, all night long on this Compton shit we're born. Bonjour à tous les amis. Bonjour à tous, j'espère que je suis pas en face cam. Non, c'est bon. On comprend rien dans ce bled. Une fois il pleut, une fois il... Putain, fait chier, j'ai pris un gros truc comme ça. Regarde, le soleil, il va sortir. Là, je comprends rien, je comprends rien. Une fois il pleut, une fois ça. On a vraiment un mois d'août, un mois de juillet de merde. Sérieux. Merde. On se tape de la flotte toute l'année quasiment. Sérieux, putain. Y'a que de la flotte. C'est pas un été, ça. Il est toujours lent ce putain de bus. Il est toujours lent ce putain de bus de mes couilles. Ah ça va, 54, normalement il va arriver dans une minute. Je sais même pas si on est en vacances ou pas. Là on est en vacances, c'est vrai. Là je dois y aller jusqu'à l'autre arrêt de bus. Ça fait plus de 10 minutes que je suis en train d'attendre. Vraiment, laissez-les normales les horaires des arrêts de bus ici. Putain, je dois aller jusque là-bas, bordel. Je dois y aller jusque là-bas, putain. Mettez-nous un arrêt de bus ici, putain. Allez jusqu'au fin fond là-bas. On va faire 2 km pour atteindre l'arrêt de bus. Je dois y aller jusqu'au fin fond là-bas à l'arrêt. Mettez-nous un arrêt ici plus près, bordel de merde. Pourquoi vous nous faites aller jusque là-bas, putain? Hein, et là-bas, remettez les arrêts toutes les heures là-bas, bordel de merde. Hein? Il y a un bus des gens qui passent devant moi. Hein?
quand que j'arrive là-bas, ça y est, y en a trop qui passent. Le tram, ça change un peu de tramway. Le métro, j'en ai marre. J'ai remarqué que j'ai le nez bouché en ce moment là. C'est pas facile de garder ses distances dans le métro. C'est impossible. On est tous collés. Destination, gare Lille Flandre. Voyage au bout de l'enfer.
Voilà. Je vais repartir au cash converteur. Là, je suis à quelques minutes. Le cash converteur de l'homme de la dernière fois où j'ai acheté mon lecteur HD DVD. J'ai vraiment pas de morale. Je vois des culs partout. Hein? Ça, c'est des belles baraques. Je crois que je vais devoir travailler jusqu'à la fin de ma vie pour avoir ça. Ça, t'as le goût de vivre dans des baraques comme ça. Des quartiers civilisés. Des quartiers tranquilles. Il n'y a pas un arabe dans ces quartiers-là. Je suis vraiment fatigué, je suis exténué. Là, je vais faire un tour à la foire fouille. Je suis jamais rentré dedans. Le laser disque. Un format qui n'existe plus. Putain. L'ancêtre du DVD. Je serais même capable d'acheter un lecteur laser disque, mais bon. Oh là là, Douglas le baiser. Elle lui fait un coup de mimour dedans, elle lui dit, si tu baisses pas avec moi, je vais dire à tout le monde que tu m'as violé. Sur des longues distances, putain. Là, comme il y a une déviation, le bus il va pas jusque là-bas. Je dois marcher, métro il est là-bas, tout au fond. Et je dois prendre toute cette rue et partir tout droit, je sais, après tourner, c'est la merde. Déviation de bus. Le bus il passe pas là-bas, il y a des travaux. Là, je la sens bien, la fatigue. Salut à tous, les amis. Salut à tous. Salut à tous. Aujourd'hui,
Je suis parti à Lille. À Lille, et je suis parti à Lomme. Voilà. Et voilà, j'ai fait des trouvailles en DVD, en Blu-ray. Dans deux cache-converteurs, c'est la même boîte. Celle qui travaille à Lille, c'est la même qui travaille à Lomme. C'est la même boîte. Voilà. J'ai trouvé quelques bons films. Voilà. Je vais aller relativement vite cette fois-ci parce que ça prend vraiment du temps l'encodage. Voilà, réencoder la vidéo, etc. Ça prend énormément de temps. Quand j'enregistre en HD, quand je l'encode en HD, ça prend entre 2 et 3 heures. Voilà. Je vais commencer par les Blu-ray. Voilà, les Blu-ray. Dans le premier magasin. Voilà. Et après, je vous expliquerai le coffre Fast and Furious. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Je garderai ça en fin de vidéo. Faut que je vais relativement vite. Voilà. J'ai trouvé Freddy les griffes de la nuit pour 2 euros. 1,99 €. J'ai les films de Wes Craven. Je les ai en DVD copie. Voilà, je les ai en copie DVD. Ben, maintenant, j'ai celui-là. Je le trouve vraiment très réussi. Je le trouve vraiment très, très réussi. Très, très, très réussi. Voilà. Ensuite, nous avons. On a l'ancêtre du film Bright avec Will Smith. Peu de personnes connaissent ce film. Eh bien, il faut savoir que Bright s'est inspiré de ce film-là. Un très bon film édité par Carlotta que j'ai eu pour 3 euros. Voilà, 2,99 €. Il s'agit de Futur immédiat. Un très très bon film que je vais me faire un plaisir de regarder avec James Caan. James Caan, habitué des rôles de bâtard, a notamment joué dans L'Effaceur avec Schwarzenegger. Los Angeles, Futur immédiat, l'ancêtre du film Bright en HD haute définition. Je suis vraiment content. Je suis vraiment très très content. Pour 3 euros, vraiment, je suis content. Je l'ai vu, je l'ai pris direct. J'ai connu ce film-là en VHS. Hein. La VHS Fox. Alors, c'était même pas Fox, c'était CBS. Les VHS Fox CBS. Voilà. C'est vraiment très très ancien. Hein, je l'ai connu en VHS. Et je vais être surpris de la qualité HD du film. Un très très bon film. C'est Bright. C'est le Bright des années 90. 88. Voilà. Sorti en 88 ou 91. 1080p, 23 images par seconde. Ouais, c'est sorti en 88, putain, ça rajeunit pas. Alors, 88, 30, 33 ans, putain. Pour 3 euros, je suis tombé sur la suite de Blade Runner que j'avais en DVD et je l'ai acheté en Blu-ray, il me le fallait. Il me le fallait. Blade Runner 49. 2049, pardon. Et ce qui paraît, c'est une suite à la hauteur du premier, qui respecte le premier film. Je l'ai regardé à plusieurs reprises, mais je me suis endormi. Voilà, Jared Leto est exceptionnel. Ryan Gosling, Harrison Ford. On a des belles petites meufs hein, dans ce film-là. Hein. Anna de Armas, elle est trop bonne. Mackenzie Davis, qui avait joué dans Dark Fate. Voilà, Dark Fate, je l'ai en DVD copie. Je cherche le Blu-ray original. Terminator Dark Fate. Voilà, pour 3 euros, le film dure 2h43. Vraiment, c'est pas négligeable. Hein. En qualité Blu-ray pour 3 euros. Pour 4 euros, alors là, c'est une déception parce que j'ai le DVD Warner. Je m'attendais à voir la Director Cut sur ce film-là. Et malheureusement, quand j'ouvre le disque,
je tombe sur la version cinéma. Il s'agit de Dr. Sleep, la suite de Shining. Si j'aurais su que c'était la version cinéma, parce que je me rappelais plus de la durée du film, de la version cinéma et celle du director cut, et voilà. Et comme il y avait le ticket qui était là, je pouvais pas voir si c'était marqué version cinéma ou cut. C'est marqué que là. Ça fait, je sors du magasin, j'ouvre, tac. J'étais dégoûté parce que je l'ai déjà en DVD, c'est déjà suffisant. J'ai payé 4 euros, mais bon. Je sais qu'il existe une director cut de ce film-là. Peut-être qu'elle est, elle est dans un Blu-ray collector, je sais pas. Putain, je voulais la director cut. Je sais qu'il y a une extended cut qui existe de ce film-là. C'est pas grave. Et pour finir, dans ce magasin, ouais, dans ce magasin, j'ai eu ça. Voilà. Pour 4 euros. Hein. Voilà. Je vais vous redire 2, 3, 3 et 4. Alors, 2, 6, 2, 6 et 2, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, il y en a pour 12 euros. Voilà, je suis sorti pour 13 euros, quoi. Voilà. Et le dernier film. Ah non! J'ai aussi acheté un Blu-ray chez eux. Voilà, bah, je vais vous le dire. Hein. Pour 3 euros, j'ai acheté un Blu-ray chez eux. Ben voilà, j'ai acheté Fast and Furious. Et voilà, je me retrouve avec des doublons de DVD et des doublons de Blu-ray. Voilà. Il s'agit encore une fois de la VFQ. Et je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu. Parce qu'on a celle-là, là. Celle-là, elle, là. Elle, comment elle s'appelle, celle-là? Ah, la chinoise qui a joué dans Dead of Alive, le jeu vidéo. Bref, dans la VFQ, au début du film, elle dit, baise-moi le cul. Quand elle part, elle saute avec la voiture. Pendant qu'elle est en train de sauter, elle fait, vas-y, baise-moi le cul. Elle est en train de crier comme ça. Et dans la vraie version française que j'ai en DVD, eh ben, elle dit pas cette phrase-là, elle dit une autre phrase. Je suis vraiment déçu, c'est le même. On dirait quoi? Universal, vous faites chier là. Vous avez sorti le film en VFQ en Blu-ray, merde. Impossible de tomber sur la vraie VF en Blu-ray, putain. Voilà, j'ai testé le DVD. J'étais content de trouver la vraie VF du film. Mais le DVD, c'est pas la même qualité. Certes, le DVD a une bonne qualité pour un DVD. Mais bon, je suis déçu quand même. Voilà, le cas Fast and Furious. Et voilà, je vais devoir aller le revoir demain. Voilà, fais chier. Voilà. Il m'a dit, tu viens me revoir, hein, parce que je lui ai expliqué. Je lui ai dit, j'ai déjà la VFQ. Je lui ai dit, j'espère que celle-là, ce n'est pas une VFQ. Résultat, c'est une VFQ. Voilà, comment je fais pour tomber sur la vraie VF de Fast and Furious en Blu-ray? Merde. Fast and Furious 2. Voilà, pour finir dans ce magasin, voilà, j'ai eu Fast and Furious. Et pour finir, la bataille de la vallée du diable. Voilà, ça, c'est avec un ancien film avec Sidney Poitier, sorti en 65. James Gardner et Sidney Poitier. Oh, ben j'en ai fait, en fait, compte, j'en ai eu pour plus que ça. Ah non, lui, je ne l'ai pas acheté là-bas, lui. Lui, c'est dans l'autre magasin, Freddy. Merde. Alors, 3, 6, 9. 9, 10, 11, 12, 13. Alors, j'en ai eu pour 14 euros dans ce magasin-là. Voilà. Et enfin, là, voilà. Je vais vous présenter direct d'emblée. Je suis tombé sur la Director Cut de l'Armée Fatale 1 en DVD. Je suis vraiment content. C'était la Director Cut. Parce que je me suis dit, peut-être ils ont foutu un disque à l'intérieur. Je suis content. Hier, j'ai eu le 2. Maintenant, j'ai le 1. Et il manque l'Armée Fatale 3 en Director Cut. Voilà. Et comme ça, je les aurai tous en Director Cut. Malheureusement, sorti qu'en DVD, jamais en Blu-ray. Mais c'est un plaisir. J'ai les copies des Director Cut, hein, de toute façon, du 1 et du 2. Eh ben, je vais les mettre de côté, voilà. Je vais les sortir de mes boîtiers Blu-ray. Parce que je les ai mis à l'intérieur de mes boîtiers Blu-ray de l'Armée Fatale 1 et 2. Voilà. Et ben maintenant, je les ai. Je suis content. Voilà. Le Freddy pour 2 euros, je l'ai déjà dit.
West Deep, que j'avais déjà le DVD, un putain de film avec Tyrese Gibson, voilà, que son fils The Game, le rappeur The Game, a kidnappé son fils, voilà, et le mec essaye de se réintégrer dans la société, très bon film, j'ai découvert ça en 2006, et il va tout faire pour libérer son fils des griffes de The Game, qui est un dealer de drogue, et voilà quoi, et il sera aidé de Megan Good. Et il sera aidé aussi de Laren State, qui avait déjà joué au Dog dans Menace to Society. Très très bon film, très très bon film. Je possédais le DVD. Il me le fallait en Blu-ray. Ben, je l'ai payé 5 euros. Pourquoi? Il y en avait un à 4 euros, il y en avait un à 5 euros. Celui à 4 euros, la boîte, elle était toute niquée, etc. Ben, je me suis dit, je vais le prendre pour 5 euros. Il les vaut vraiment. Il les vaut vraiment. C'est un putain de film. Je vais me refaire une joie de le revoir en HD. Hein? Voilà, en plus du DVD que j'avais déjà. Voilà. L'arme fatale, c'est déjà dit. Freddy, c'est déjà dit. Et il reste un dernier film un peu tabou. J'espère que c'est un Master 16/9e. C'est un film de Clint Eastwood qui s'appelle Breezy. C'est l'histoire d'une jeune femme. Quand je dis jeune, je sais pas, elle est peut-être pas adolescente, hein, mais bon. Elle se lie d'amour avec un mec de 50 ans. Voilà. Il la récupère. J'ai lu le synopsis. Il la récupère sur la route. Elle tombe sur lui. Et je sais pas. Il a envie de la baiser ou je sais pas quoi. Et il finit par. Elle finit par se lier d'amitié avec lui. Et je sais pas s'ils baisent ensemble dans le film. Non, elle a peut-être la vingtaine. Hein. Avec William Holden. J'espère que c'est du 16/9e parce que des fois ils te mettent du 1,85 qui est marqué 1,85, mais dans un carré. Voilà, pas Universal, j'ai eu le coup avec un autre film, je me rappelle plus quel film. Le film est dans un carré, hors d'atteinte de Soderbergh. Le film est dans un carré, alors que le 16/9e existait à cette époque-là. Mais hors d'atteinte, j'ai jamais accroché à ce film. J'aime pas. Voilà. Ça y est, c'est fini. Salut à tous les amis. Je vous laisse. Je vous laisse. C'était assez court. J'ai pas envie de me retaper un encodage de malade. Voilà. Ben celui-là, je vais aller le rendre. Voilà. Hein. Je vais aller le rendre à mes dépens demain. Et je vais l'échanger contre un autre film. Et ben je vais rester avec la VF de Fast and Furious, la vraie VF avec le DVD. Et c'est tout, je garde le DVD, voilà, c'est tout. Hein. Si le film est sorti qu'en VFQ, eh ben je garde le DVD, c'est tout. J'ai pas le choix. Hein. Peut-être dans les versions 4K, dans les coffrets 4K, il y a le Blu-ray dedans. Et là, c'est la vraie VF. Peut-être. Voilà. Mais là, si j'ai pas de chance, sur ces deux putains de versions, je tombe sur des VFQ. Alors que ce n'est pas les mêmes jaquettes, mais c'est les mêmes disques. Voilà, j'ai pas fait attention au disque. Voilà, c'est les mêmes disques. S'il faut, je lui ramènerai même cette version. Universal, c'est pas sérieux. Vous sortez des Blu-ray français avec le doublage québécois. Merde! Je vous laisse, les amis. Salut à tous. Je suis vraiment dégoûté. Hein? Voilà, je vais garder un exemplaire, hein, c'est tout. Allez, salut à tous. De toute façon, il existe en repack de toute façon avec la vraie VF. Voilà, ben voilà, c'est tout. Je l'ai. Voilà. Bref. Allez, salut à tous. Je vous laisse. 14 minutes. C'est déjà bien. Ça va, 14 minutes. C'est pas comme les vidéos de. Voilà. J'ai envie de vous dire encore un truc, c'est que je vais peut-être faire une pause pendant le mois d'août et je vais reprendre en septembre. Parce que je ne suis pas un larbin, je ne suis pas un guignol. Voilà, j'ai enregistré trois émissions qui sont de côté. Je ne les publie pas maintenant. Et je vais mettre en place la programmation de mes émissions. Vous aurez pu directement mes émissions. Vous devrez attendre pour regarder l'émission. Il y aura un contre-rebours et vous devrez attendre. Parce que je ne suis pas un larbin, je ne suis pas une merde. Ça fait un an que je suis sur YouTube. Et voilà un peu plus de gratitude. Et voilà quoi, je suis pas un pantin, je suis pas un larbin. Voilà, moi YouTube il me paye pas, il faut pas oublier.
Je suis pas payé par YouTube pour ce que je fais. Ce qui se passe avec Merej et Dirty Tommy, etc., c'est qu'ils sont soutenus par leurs abonnés. Ils ont des liens Utip ou je sais pas quoi. C'est des dons. Et avec ces dons-là, ben, je suis content pour eux. Je suis vraiment content pour eux. Mais j'aurais aimé qu'on fasse autant pour moi parce que, voilà, j'aurais aimé qu'on fasse des dons Utip de 5, 10, 15 euros. Moi, quand je vois ça, je suis vraiment content pour eux. Et j'aimerais bien que ça m'arrive à moi. Voilà. YouTube, c'est un monde d'ingrats. Les YouTubeurs se chient tous les uns sur les autres. Ça devrait pas se passer comme ça. C'est pas le concours de la plus grosse par rapport au nombre d'abonnés. On ne qualifie pas une personne par rapport à son nombre d'abonnés. Voilà. Salut à tous, je vous laisse. Salut. Thank you.